montrer comment fabriquer une anche double montée sur tube pour un hautbois languedocien qu'on appelle aussi hautboy. Quand on joue de ces instruments-là, c'est bien de comprendre un minimum comment ça fonctionne. La personne qui m'est très chère et qui m'a enseigné comment fabriquer ces anches, le regretté Bruno Salançon. Donc tout ça, c'est expliqué dans le livre de Bruno. Alors on est ici devant ce qu'on appelle un canier, qui contrairement aux apparences est une seule et même plante qui se reproduit de manière rhizomatique. Donc je brosse un peu, je donne un petit geste avec le marteau comme ça. Je vais faire midi, je vais vraiment se lever. Tu veux que j'aille te les chercher? Non, je vais. De l'autre côté, j'essaie d'être le plus symétrique possible. En tirant très fort. Ce soit des gros copeaux qui partent. Voilà, on évite d'avoir de la sciure parce que la sciure, ça veut dire qu'on écrase la fibre. Là, on est vraiment en train de la trancher. On va gratter, on va laisser une petite arête ici au milieu. Et ce qu'on va chercher, c'est d'abord chercher à gratter du bas vers le bord. Alors si l'anche est trop dure, plutôt que de gratter au milieu, il vaut mieux en enlever sur les bords. Ça va l'affaiblir tout en gardant autant de timbre et de puissance. Pour moi, ça me va. Pour moi, cette anche, elle me va. Il faut que je la joue, il faut que je la rôde.